Eh bien, j'ai menti. Je vous ai dit qu'elle était perdue. Je craignais que l'on en tire une mauvaise leçon. Mais cet homme a eu de nombreuses vies. Et il a beaucoup à nous apprendre. Certes, quand il est venu nous trouver, il n'était rien de plus qu'un banal voleur. Il s'efforçait de survivre dans les rues de Bagdad, rêvant d'un avenir meilleur. Pas seulement pour lui, mais aussi pour tous les miséreux qu'il côtoyait. Car même s'il vivait durant un âge d'or, au cœur et au sommet du califat abbasside, il suffisait de gratter un peu pour qu'apparaisse la pourriture. L'ordre des anciens s'ingéniait à s'élever et à répandre ses méthodes cruelles à tout le pays. Ceux qu'on ne voit pas, comme on nous appelait alors, s'y opposaient, frappant l'ennemi depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des siècles, il était au cœur de cette lutte. Bassim ibn Ishaq. Il a honoré le credo, il l'a défié, comme nous devons le faire. Tous, nous courons le risque de confondre ténèbres où nous marchons et lumière que nous servons. Nous sommes susceptibles d'être mis à l'épreuve comme il le fut. Et je crains que ce moment approche. Doucement, Bassim. Respire. C'était le djinn encore? Et qu'est-ce qu'il nous voulait, notre ami, cette fois? Me décoller la chair des os. Me dévorer les entrailles. Il ne dit presque jamais rien, mais il laisse sa marque. Je le sens encore courir sur ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le djinn pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Derwish a laissé un autre contrat. Et pour qui? Encore eux? On gagnerait plus en vendant de l'eau à un dromadaire. Nihal, allons. Qu'est devenu ton sens du devoir? Le devoir ne nourrit pas son homme. Non, en effet. Mais il enrichit l'âme. Bon, je t'attends dehors. J'ai bien dit à Nihal lorsqu'elle l'a volé que ce serait impossible à revendre. Mais elle n'a pas pu s'en empêcher. D'ailleurs, je me demande bien ce qui la fascine tant dans ces anciennes babioles. Sors tes pieds du sable, Bassim. L'heure est aux ombres longues aujourd'hui. Ne faisons pas attendre Derwish. Je ne supporte plus ces remarques. Ces contrats. Derwish t'en a déjà confié beaucoup, tu ne trouves pas? Il sait qu'il peut compter sur moi. Tu as gagné sa confiance, c'est vrai. Mais tu penses vraiment avoir gagné la leur? Celle de ces gens étranges? Tu as plus un... Gentil à toi de revenir. Depuis tout ce temps, j'espère, oui. Qu'il le montre, alors! Tu prends tous les risques, Bassim, et il ne t'offre presque rien en retour. Ce sont des libérateurs, Nihal. Pas des marchands. Je connais les histoires qu'on raconte sur eux, merci. Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. Non,
À propos de ce contrat, je ne veux pas que tu prennes mal mes paroles. Je pense avant tout à toi, Yah Sadiki. Il n'y a aucun mal à s'opposer à nos oppresseurs comme le font ceux qu'on ne voit pas. Tu te prends pour le héros de demain, le nouveau Gilgamesh? Non. Je ne suis que le fils d'un fonctionnaire qui a consacré sa vie au bien de la population et n'a récolté que le mépris et l'oubli. Mais je suis... Quelle foule! Il doit se passer quelque chose d'important. Le calife a été appelé au palais d'hiver. C'est sans doute son riche cortège qui attire tout ce monde. Peut-être ces gens sont-ils d'humeur généreuse? Ah, je vois venir. Un petit tour de main pour nous mettre en jambes. Si ce contrat doit nous affamer, le califat pourra nous nourrir. Ce marchand-là, il a laissé sa bourse sur la table. Un coup facile pour commencer. Bon, mieux vaut ne pas traîner ici. Viens ici! Tiens-toi prêt. Je vais choisir mon style. Comme d'habitude, œil d'aigle et main agile. Un duo redoutable. Là, celui qui s'agite, il doit transporter des objets de valeur. Hé, tu veux bien revenir ici? Discret comme la brise. Et juste là, près de cet étal, elle a quelques pièces. Ah, raté! Go! Oh, à moi! Par ici! Au secours! Nihal a dû aller chez Derouish. J'espère. Nihal a dû aller chez Derouish. J'espère qu'elle n'a rien. Les gardes du califat ne s'embarrassent jamais de raison pour nous passer leurs bras. Oh, c'est Basim! Amine, comment va ton genou? Bien. Ça t'est... Vois-tu? Il faut... Un jeu de musée, mon amant. Et toi,